le député de Drummond. L'importance de sauver, protéger et promouvoir la chanson québécoise. Mais ça prend plus que des paroles. Ça prend aussi de la musique. Et ça prend surtout des gens qui passent à l'action. Des gens comme Véronique Cloutier et l'équipe de Rouge FM qui ont décidé cette semaine que leur émission phare Véronique et les Fantastiques passait en mode 100% francophone. Bravo. Que de la musique en français sur les ondes durant l'émission du retour numéro 1 au pays selon Numéris. Ça, c'est un signal fort qui est envoyé à tout l'auditoire de Rouge FM, à toute la compétition ainsi qu'à toute la population québécoise. Au nom du Bloc québécois, merci Véro, merci Rouge FM de vous tenir debout pour la chanson francophone. Merci de soutenir concrètement nos créateurs et nos créatrices, mais aussi de leur envoyer le message qu'en ces temps difficiles pour l'industrie de la musique, le Québec est derrière eux. Merci de prouver qu'on peut faire de la radio extrêmement populaire, à la programmation hautement diversifiée, grâce à tout le talent qu'on a chez nous. Merci Véronique et les Fantastiques. Vous portez vraiment bien votre nom. Merci Véronique.